Et en parole, par action et par omission, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous savons que tu es la vie et que notre bonheur est en toi. Nous voulons te redire et nous redire à nous-mêmes que ton Fils Jésus nous a tous rachetés dans sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté ton serviteur Émile Kassam-Apsi. Pendant qu'il était au milieu de nous, il a cru au mystère de la résurrection de le Christ, qu'il obtienne de connaître éternellement la joie de vivre près de toi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode, au chapitre 2, du verset 1 à 15a.
En ces jours-là, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de joncs qu'elle endurcit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et le déposa au bord du Nil, au milieu des ruisseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les ruisseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un garçon, il pleurait. Elle en eut pitié et dit, « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui, pour toi, nourrira l'enfant ?» La fille de Pharaon lui répondit, « Va !» La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci, « Emmène cet enfant et nourris-le pour moi. C'est moi qui te donnera ton salaire. » Alors, la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon et le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse en disant, « Je l'ai tiré des eaux. » Or, vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvées. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfuit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux se battaient. Il dit à l'agresseur, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» L'homme lui répondit, « Qui t'a institué chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « Pas de doute, la chose est connue. » Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et habita au pays de Madian. Parole du Seigneur. Je l'avoue.
Seigneur, lave-moi de tout péché. Seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Et du Saint-Esprit. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés. Jésus, je viens.
Et sœurs, réunis en ce soir autour du souvenir d'Émile Kassamapsi, chers téléspectateurs de Catol TV, chers auditeurs des médias catholiques, Église, famille de Dieu au Gabon, célèbre ton jubilé, proclame Jésus-Christ ton sauveur. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Oui, Dieu pardonne tout. Dieu accepte tout. Dieu nous accepte tous comme pécheurs. Émile était un pécheur. C'est pourquoi le Seigneur lui accorde miséricorde. Et en ce jour, comme le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi, Sidon, Tyre et les autres villes comme Chorazin. Aujourd'hui, Émile est pris comme Sodome. Pris comme Sodome parce que dans le murmure de sa vie, il a accepté jusqu'à la dernière minute de marcher à la suite de Jésus-Christ. Et la matérialisation de cette acceptation a été vécue ici, dans cette paroisse, lorsqu'il a concrétisé son oui avec Huguette. Une fois de plus, nous avons tous compris que aller à la rencontre de Jésus-Christ, c'est l'accepter jusqu'au soir de sa vie. Eh bien, chers frères et sœurs, je voudrais nous rappeler la maxime de la préface des défunts. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte à tous la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et oui, aujourd'hui avec tonton Émile, nous célébrons le souvenir, nous célébrons la mémoire vivante d'un être humble et discret, d'un être fort de caractère, mais présent d'amour, parce qu'il savait le donner à ses frères. Et oui, chers frères et sœurs, l'évangile que nous entendons aujourd'hui nous parle du jour du jugement. Mais en nous parlant du jour du jugement, la première lecture nous rappelle que personne n'a été établi juge de son frère. Et si personne n'a été établi juge de son frère, cela signifie que, quelle que soit la pécaminosité, permettez-moi l'expression de la vie de tonton Émile, c'est-à-dire l'homme pécheur qu'il a été, aucun d'entre nous ne doit être le juge suprême de sa vie. Mais chacun d'entre nous devrait rechercher dans la personne de tonton Émile la qualité la meilleure pour essayer de transformer d'abord sa propre vie. Et c'est cela que l'évangile nous propose, c'est-à-dire essayer de nous convertir. Et se convertir, cela signifie changer de direction de manière radicale.
Et si l'on doit changer notre vie de manière radicale, cela signifie que chacun d'entre nous est appelé à entrer de manière entière dans sa propre vie. Mais pour y arriver, chers frères et sœurs, la première chose, c'est l'humilité de notre vie. Savoir être humble. La deuxième chose, c'est savoir donner pour recevoir. C'est-à-dire avoir cette charité fraternelle. Et la troisième chose, c'est avoir la foi et avoir foi en Dieu. Parce que c'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui transforme. Et Dieu a transformé la vie de tonton Émile. Ceux qui ont marché, ceux qui ont cheminé avec tonton Émile savent que Dieu a transformé la vie de tonton Émile. Et alors, si Dieu a réussi à transformer sa vie, cela signifie que Dieu peut aussi transformer la nôtre et la mienne. Alors, que devons-nous faire, chers frères et sœurs? Eh bien, comme nous disent les latinistes, la métanoïa est importante. La métanoïa. Convertissons-nous et croyons en la bonne nouvelle. Eh bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je ne voudrais plus que nous puissions parler de tristesse. Aujourd'hui, je ne voudrais plus que nous ayons le souvenir de la meurtrissure de notre cœur. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions célébrer la vie éternelle. Parce que désormais, notre père Émile, notre ami Émile, est dans cette félicité. Il est entré dans la joie, il est entré dans la gloire avec le Seigneur. Et parce qu'il est rentré dans la joie et la gloire avec le Seigneur, eh bien, le Seigneur, au jour du jugement, c'est-à-dire à la parousie, eh bien, lui, Émile, ressuscitera aussi avec le Seigneur. Telle est notre espérance, nous qui sommes chrétiens. Alors, chers frères et sœurs, durant cette célébration de l'Eucharistie, demandons au Seigneur de transformer nos vies. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs, mais aussi demandons au Seigneur qu'il nous aide véritablement à le découvrir dans nos frères et sœurs, surtout dans le visage des pauvres que nous côtoyons au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, ensemble, levons-nous. Prions avec confiance au Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions.
sauve, afin qu'il ne se croie jamais abandonné de Dieu. Ensemble, prions. Afin que leur vie soit sur la terre plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. Afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Seigneur, Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde, exauce la prière de ton peuple. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
ensemble vont offrir le sacrifice de toute l'Église. Jette un regard favorable, nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, sur les offrandes que nous te présentons pour l'âme de ton serviteur, Émile Kassamapsi. Qu'elle soit purifiée par les secours venant du ciel et connaisse dans ta gloire la vie et le bonheur à jamais. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, c'est toi qui nous donnes de naître. C'est ta providence qui nous conduit et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils et sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
Tu es Seigneur, notre résurrection. Après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es Seigneur, notre résurrection. Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick Ibeba, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Émile Kassamapsi, ton serviteur, qui a quitté ce monde il y a 2 ans aujourd'hui, et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, de manière particulière, sur Huguette, sur toute la famille si douloureusement éprouvée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint André, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Siècle de siècle.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et à toi, appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnons-nous la paix. La paix de Christ. Seigneur, celui qui croit en moi a la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il est passé de la mort à la vie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous nourrissent et nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Thank you.
Nous avons été invités au remerciement, à l'action de grâce. Ensemble, nous pouvons nous lever pour remercier Dieu de nous avoir donné Émile Kassamapsi. Afin que les liens d'amitié, de fraternité, d'affection que nous avons tissés avec lui demeurent et continuent de produire des bons fruits au-delà de sa mort et grandissent
en chacun de nous dans l'attente de notre rencontre avec lui au ciel. Avec la chorale, chantons. Seigneur notre Dieu, toi qui refais nos forces par ces mystères très saints, accorde à ton serviteur Emile Kassamapsi, purifié de toutes ses fautes, d'être comblé par le don éternel de la résurrection. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Faites vous asseoir. Quelqu'un de la famille. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais être laconique. Déjà, je parle au nom de notre mère, de tous les enfants, de toute la famille. Cela fait 2 ans que papa est parti et ça reste difficile, surtout dans les moments de solitude ou dans les moments les plus compliqués. On sait qu'on n'est pas seul. La preuve est là, aujourd'hui nous sommes avec vous et
On souhaiterait encore vous remercier de votre présence, pour vos prières, pour votre présence, pour les différents actes que vous posez, pour les pensées que vous avez envers votre père, frère, ami, Émile Kassamapsi. Et on retient que du positif, et on espère aussi que vous, vous retenez du positif de lui. Donc merci encore, et on se dit à l'année prochaine, et à toutes les fois où nous aurons à penser à lui. Merci. Bon après-midi. La paix du Christ. J'aimerais dire merci à la famille. C'est une occasion pour nous en tant que paroisse Saint-André de dire merci. Je pense que le prédicateur a bien souligné cela. Tout ce qu'ils ont connu, et nous tous, vous voyez, autant que nous sommes prêtres, ceux qui sont là, c'est l'infime majorité qui a pu se dégager pour venir vraiment rendre hommage à cet homme. Cet homme qui a aimé l'Église, qui a servi l'Église et qui a orienté les siens sur ce choix. Et c'est important que le lien qui nous unissait à lui sur le plan biologique demeure également sur le plan spirituel. La paix du Christ. C'est pour cela que j'abuse un peu de votre temps, simplement pour dire merci à lui qui est parti, parce que jusqu'à présent, sa maison reste ouverte. Elle reste ouverte et là aussi se trouve le siège d'une communauté ecclésiale vivante de base, la communauté Saint-Paul. Ce n'est pas donné. Nous voyons les miracles d'un autre ordre, mais les miracles, c'est dans le quotidien. Tout le monde ne donne pas sa maison à tout le quartier pour venir se retrouver une fois par semaine pour la prière du quartier. Et nous y rendons très souvent pour les messes. À l'intérieur de sa maison, il a laissé la place qui convient à Dieu. Un oratoire, c'est pas des petits, hein, avec un autel où nous pouvons et nous disons très souvent des messes pour lui, pour la communauté et pour toute l'Église. Vraiment un grand merci. Lui-même est parti, il a laissé cela et sa famille continue d'ouvrir les portes de la maison pour que nous puissions effectivement nous y rendre et prier ensemble. Donc c'est un acte de foi très important que je pense que nous ne pouvons occulter en ces moments, parce que ce sont des moments de témoignage. Ce sont les vrais moments de témoignage. Et c'est important de le dire. Un grand merci. Je tiens tout simplement à revenir sur un élément. Nous avons l'habitude d'entendre Jésus nous consoler, nous encourager, etc. Aujourd'hui, il était un peu fâché. La paix de Christ. Voilà, il était un peu fâché. Fâché par le fait que la parole de Dieu prêchée, les miracles accomplis, mais les gens sont restés indifférents. Ils ne se sont pas convertis. Ça tombe au moment où c'est un texte, c'est pour toute l'Église, hein, ça concerne toutes les familles, ça concerne chacun d'entre nous, mais à l'occasion de ces retrouvailles de la famille, j'aimerais quand même attirer
notre attention là-dessus. Pourquoi Jésus se fâche? Pourquoi Jésus se fâche? La colère de Jésus n'est jamais définitive. Il ne ferme pas la porte. Et c'est à chacun de se poser la question, mais pourquoi Jésus se fâche contre moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il m'a dit que je n'arrive pas à faire au point de m'endurcir, de fermer mon cœur, de ne jamais faire attention et de ne pas me convertir? Ça, c'est une bonne question pour la famille. Parce que quand on prie pour le défunt, nous prions aussi pour les siens, pour l'unité. Lui-même était un homme rassembleur, était une personne qui savait accueillir, était quelqu'un de très discret, humble et respectueux. Et il nous a laissé cet exemple. Pourquoi aujourd'hui Jésus semble se fâcher en prononçant presque des malédictions? Malheureux êtes-vous. Donc faisons attention et il n'est jamais trop tard. Dieu n'est pas pour la mort du pécheur, il est contre le péché. Et il veut que nous nous détournions de ce péché pour que nous puissions vivre. Donc nous prions pour l'unité de la famille, pour l'entente, pour la cohésion, pour le renforcement des liens fraternels et les liens d'amitié et aussi les liens spirituels. Voilà. Nous avons prié pour son âme, c'est un acte de foi, et nous continuons de prier pour vous, pour que tout ce que nous avons entendu, la parole de Dieu qui a été semée dans nos cœurs, trouve un terrain fertile et que à travers ce témoignage de celui qui est parti, nous aussi nous puissions prospérer, que nous puissions fructifier et qu'il soit fier de nous là où il se trouve, parce qu'il ne nous dit rien d'autre comme le Christ, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Nous allons nous lever pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tous les prêtres vont vous bénir. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sainte soirée à tous. Merci.